Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps un petit rappel sur la fonction SI. Puis ensuite, nous allons faire un SI imbriqué. Et enfin, on terminera avec un SI imbriqué avec un tableau de référence absolu. Et on verra quelle est l'utilité de ce tableau. Donc, dans un premier temps, voici mon tableau que je vais utiliser avec des élèves. Chaque élève a une moyenne générale. Et dans la colonne E, je souhaite voir l'avis du conseil de classe. Si l'élève passe, redouble dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va compliquer la chose puisqu'on rajoutera conseil de classe. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper au cas passe, redouble. Donc, l'élève passe s'il a une note supérieure à 10 sur 20, s'il a une note strictement inférieure à 10 sur 20, dans ce cas-là, il redouble. Donc, nous allons utiliser une fonction SI. Donc, je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'écris SI. Je trouve ma fonction. Je double-clique dessus. Comme je n'ai qu'une seule fonction, je vais utiliser le fx pour me faciliter les choses. Test logique, j'ai dit que donc le test c'est de savoir si l'élève passe. Et le moyen de savoir si l'élève passe, c'est de regarder si sa moyenne générale est supérieure ou égale à 10. Donc je mets la moyenne générale de l'élève, supérieure ou égale à 10. Ce qui est vrai, puisque 12 est supérieur à 10. Donc dans ce cas-là, si c'est vrai, je veux qu'il écrit passe. Donc j'écris passe. Et valeur si faux, si la moyenne est effectivement inférieur à 10, dans ce cas-là, je souhaite voir redouble. Je valide et on voit effectivement que l'élève passe car il a une moyenne supérieure ou égale à 10. J'utilise la poignée de recopie et afin d'éviter d'avoir une mise en forme différente avec, par exemple, on voit ici donc des bordures, je vais utiliser les options de la poignée de recopie et dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Et on voit bien que chaque élève qui a une note supérieure ou égale à 10 passe et ceux qui sont strictement inférieurs à 10 redoublent. Et le but, bien sûr, c'est que quand je modifie la moyenne, si je mets 9, il redouble. Si je mets 10, il passe. Et si je remets 12, bien sûr, il passe. Si je regarde un peu plus près la fonction SI, donc je vais double-cliquer. Voilà comment il aurait fallu l'écrire si je n'avais pas utilisé le fx. Dans un premier temps, bon, égal, si, j'ouvre la parenthèse, il souhaite un test logique. Pour rappel, dans le fx, le test logique, nous avons cliqué sur D7 et on a mis supérieur ou égal à 10. Donc ici, on voit bien, test logique, D7 supérieur ou égal à 10. Pour bien voir mon test logique, on voit ici que quand je suis dans le test logique, j'ai test logique ici qui apparaît en gras par rapport aux autres valeurs. De même, si je clique sur test logique, il vient donc surligner ce qui est pris dans le test logique. À la fin du test logique, je mets un point-virgule pour séparer mes critères qu'on voit ici. Puis ensuite, on passe au critère valeur si vraie qui est ici. Donc, quand je vais cliquer sur passe, automatiquement, test logique qui est en gras va devenir normal et c'est valeur si vraie qui va passer en gras. Voilà. Donc on voit bien que dans la valeur si vraie, c'est passe. Passe étant entre guillemets afin de différencier ce que je dois écrire, ce que Excel doit écrire dans la cellule. Par exemple, c'est pour faire la différence entre le mot, donc la fonction égale somme et somme, le département ou faire la somme. Donc, afin de différencier, je dois mettre des guillemets dans une fonction afin qu'il considère cela comme du texte qu'il doit lui-même écrire. Pareil, si je clique sur valeur si vraie, on voit bien ici en surlignage le passe. Puis une fois que j'ai mis ma valeur si vraie, un point virgule pour séparer du critère valeur si faux qui se trouve ici et qui est redouble aussi entre guillemets afin qu'il l'écrive. Voilà comment est constitué un SI. Là, nous avons vu donc un SI simple. Maintenant, je souhaite compliquer un peu la chose.
Car si on regarde, il y a deux élèves qui sont près du 10, 9,6 et 9,8, peut-être qu'ils mériteraient de passer un peu plus de temps en conseil de classe afin de qu'on étudie leur dossier. Donc plutôt que de marquer redouble, j'aimerais voir conseil de classe. Donc ce que nous allons faire, on va effacer nos résultats et je vais recommencer ma fonction ci, simplement. Donc si on regarde, dans un premier temps, j'avais que deux résultats possibles, passe, redouble, j'ai utilisé un si. Ici, la règle veut que, comme j'ai trois résultats, passe, conseil et redouble, je n'utilise que deux si. Donc chaque fois que j'ai x résultats, je devrais utiliser x moins 1 si. Donc 10 résultats, par exemple, 10 résultats possibles, 9 si. En sachant que je peux aller jusqu'à 127 si imbriqués. Donc on va commencer à écrire le si. Je mets égal si. J'ouvre ma fonction, je double-clique dessus. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le fx, car le fx est un outil très puissant quand j'utilise une fonction tout simplement seule et pas quand j'ai des fonctions imbriquées. Donc, comme ici, on doit faire des fonctions imbriquées, l'utilisation de la fonction fx n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, si, et je fais mon test logique, donc pour savoir si l'élève passe, c'est toujours sa moyenne, si elle est supérieure ou égale à 10. Voilà mon test logique. Test logique est terminé, je mets un point-virgule, et vous voyez que maintenant c'est valeur si vraie qui est passée en gras. Valeur si vraie, pour rappel, on avait vu dans le premier cas de notre si que passe était entre guillemets, effectivement, pour que j'indique à Excel qu'il doit écrire le mot passe. Donc je vais ici aussi utiliser entre guillemets le mot passe. Je ferme les guillemets. J'ai terminé avec ma valeur si vraie. Valeur si faux. Donc maintenant je mets le point virgule pour donc traiter la valeur si faux. Et la valeur si faux, j'ai deux cas encore possibles. Effectivement, j'ai traité tous les élèves qui étaient supérieurs à 10 et on écrit passe. Maintenant j'ai deux cas possibles. Le cas des élèves qui sont compris entre 9,5 et 10. Et que je veux voir écrire conseil, et ceux qui sont strictement inférieurs à 9,5, et dans ce cas-là, je veux voir redouble. Donc je suis obligé de refaire ainsi. Donc je réécris ainsi. Voilà. Je vois ma fonction si, je double-clique dessus. Il m'ouvre une parenthèse, cette fois-ci elle est rouge. Et je refais mon test logique. Donc mon test logique est le suivant, toujours. Est-ce que la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 9,5. Donc j'ai terminé mon test logique comme j'avais fait pour le 10. Point virgule. Si c'est vrai qu'il est supérieur à 9,5, mais il faut pas oublier inférieur à 10, puisqu'il les a déjà traités Excel. Donc compris entre 9,5 et 10, je veux voir conseil de classe. Donc je mets entre guillemets conseil de classe. Je ferme les guillemets et pour séparer du terme de valeur si c'est vrai, du terme de valeur si c'est faux, je mets un point virgule et maintenant je mets l'argument entre parenthèses, redouble si effectivement ils sont strictement inférieurs à 9,5. Je ferme le guillemet. Maintenant je dois fermer les parenthèses. Comme j'ai deux si, si on regarde, j'ai ici une parenthèse ouverte en rouge, une parenthèse ouverte en noir. Donc je vais fermer la première parenthèse et on voit que j'ai deux parenthèses rouges. Et si je mets encore une parenthèse, cette fois-ci j'ai deux parenthèses noires qui correspondent au premier si et à la deuxième parenthèse. Je valide en appuyant sur Entrée et on voit passe. Si j'utilise la recopie et que j'utilise les options de recopie afin de faire disparaître les bordures, voilà, on voit bien que j'ai passe, redouble et conseil de classe pour les élèves compris entre 9,5 et 10 qui sont Anne et Roger. Si je regarde ma fonction si, telle que je viens d'écrire, la voici. Si, test logique, passe, un deuxième si qu'on voit qui est dans valeur si faux. Et quand je clique dessus, on voit pour le deuxième si le test logique, la valeur si vraie du deuxième si et la valeur si faux du deuxième si. Donc on voit bien que j'ai ici deux si imbriqués. Par contre, si je dois modifier, par exemple que les notes
pour passer n'est plus 10 mais 9,5, que pour le conseil de classe est compris entre 9 et 9,5, qu'on dit plus redouble mais orientation, qu'on dit passe mais qu'on dit acquis. Donc si je dois tout modifier, peut-être que pour moi cela est simple, mais si c'est un fichier que j'envoie à un collègue ou que c'est une autre personne qui doit l'utiliser, peut-être que lui ou elle n'auront pas les compétences nécessaires pour modifier simplement la fonction et risquerait donc de compromettre le bon fonctionnement de mon fichier Excel. Afin de remédier à cela, il y a une possibilité qui me permet, un, dans un premier temps, d'aider les personnes à modifier rapidement un fichier de manière simple, et de même, si je regarde, quand je suis à l'extérieur ici, je ne vois nulle part les critères qui me rappellent quelles sont les conditions pour passer, redoubler ou aller en conseil de classe. Donc, afin de remédier à cela, nous allons utiliser un deuxième tableau qui nous servira de référence et qui sera même un tableau de référence absolue. Donc, nous allons constituer ce tableau. Donc, je vais mettre dans un premier temps, dans à part, ici, je vais marquer passe. Donc, et j'ai dit, donc dans G7, j'écris passe. Et dans G8, je dis la valeur pour que l'élève passe. Donc, j'ai dit, c'était les notes supérieures à 10. Je fais entrée pour valider. Puis ensuite, j'ai dit conseil de classe. Voilà. J'appuie sur tabulation pour aller dans la cellule d'à côté. Et en conseil de classe, j'ai dit que c'était compris entre 9,5 et 10, donc supérieur à 9,5. Donc je mets 9,5. Et ensuite, je traite le dernier cas. Donc j'ai dit les élèves qui redoublent. Et ici, ben, c'est, j'ai pas l'utilité d'écrire une valeur vu que ce sont les autres. Donc ce que je vais faire, je vais effacer ici les résultats. Et nous allons repartir à partir de cette fonction si imbriquée et en utilisant un tableau ici, comme vous pouvez voir, qui répète mes conditions. Donc, on a dit, alors c'est pas très judicieux car j'ai du mal pour utiliser les conditions, donc je vais remonter mon tableau, voilà, ici. Donc, je reclique sur ma fonction si imbriquée, et ici j'ai 6D7 supérieur à 10, et 10, je le retrouve dans mon tableau à ce niveau-là. Donc je peux effacer le 10 et je vais utiliser le 10 qui est ici. Je veux qu'il écrit passe, là aussi, je peux effacer les guillemets et passe, et il va utiliser ce que j'ai écrit dans la cellule, ici G4. Voilà. Puis ensuite, si D7, donc si la moyenne est supérieure à 9,5, 9,5, je peux l'effacer et je peux le trouver ici. Je voulais qu'il écrit conseil de classe. Ça, j'efface. Et j'utilise le conseil de classe de mon petit tableau des critères que j'ai utilisé pour faire ma fonction si. Et enfin, le dernier qui est redouble, je l'efface et je le prends aussi dans mon petit tableau de référence absolue. Je fais entrée et vous voyez qu'il m'indique bien passe. Là, si j'oublie de mettre les dollars pour faire des références absolues, si je recopie, vous voyez qu'il fait n'importe quoi. Donc je dois utiliser des références absolues pour que ce tableau-là reste figé. Donc H4, je ne veux pas qu'il bouge, donc je vais utiliser les dollars. Voilà. En appuyant sur la touche F4 de mon clavier, par exemple. G4, pareil, ne doit pas être modifié, donc je mets des dollars. D7, lui, il faut bien qu'il descende. H5 doit rester. G5 et G6. Donc j'utilise des références absolues pour ce petit tableau. Je valide. Et maintenant, si j'utilise la recopie, en corrigeant toujours la recopie des valeurs sans la mise en forme, vous voyez qu'il met bien passe redouble. Si maintenant je dis ce n'est plus redouble mais orientation, j'écris dans mon tableau orientation, je valide et vous voyez qu'automatiquement
c'est modifié. Ce qui permet rapidement à quelqu'un de modifier ce petit tableau plutôt que d'aller dans les fonctions, comme vous pouvez voir. Et de même, ici, je vois très vite que pour passer, il faut avoir plus de 10, par exemple. En me faisant un tableau, en mettant des étiquettes de colonnes et de lignes, beaucoup plus explicatif. Du coup, il n'y aura plus d'ambiguïté sur mon tableau de passer redoute. Pareil ici, donc si je veux écrire à qui, voilà, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Maintenant, vous avez eu un petit rappel sur la fonction si. Nous avons vu une fonction si imbriquée avec une deuxième fonction si. Et de même, l'utilisation d'un tableau à côté, reprenant mes critères qui m'a permis de faire mes fonctions si. Et on appelle cela donc une fonction si avec tableau en référence absolue. Donc, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.